Allez, nouvel épisode. Bon, on va essayer de faire saut train cette fois-ci. On a eu nos chiens qui baladent. C'est... voilà. Il glandouille un petit peu. Bon, tu me disais, il y a un robot par là-bas qui était en panne. Mais il a dû être réparé, hein, depuis le temps. Non, ils sont tous en panne là-haut. C'est-à-dire que les rechargeurs sont tombés en panne ensemble. C'est magnifique, j'adore. Tiens, il y a un... du miel, enfin des abeilles qui sont apparues ici. Marrant ça. Bon, ce jeu, faut passer son temps à essayer de tout stabiliser. C'est chiant. Allez. Ok, on va aller faire nous-mêmes parce que... voilà. Parce que lui, il était parti, à mon avis, pour recharger quelqu'un d'autre. Voilà, recharger lui. Et puis, il a pas réussi. Ok. Alors, est-ce que notre métal est remonté? Toujours pas. Et ici, ils ont l'air d'être dans les choux, encore. Non, mais c'est pas possible. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça m'a permis de voir qu'il y avait eu là-bas... Qui était KO. Faudra que je trouve le temps. J'arrive pas à trouver le temps. J'ai toujours pas testé mon PSVR. Ça me saoule. Salut Nat. Ma première abonnée. Le yes. Non mais c'est... Je sais pas. Là aujourd'hui j'ai vraiment du mal. Faut dire que j'ai mal dormi là depuis une semaine. C'est une horreur. Et c'est pas parce que je joue à Genshin Impact à 4h du matin que... voilà. C'est que j'ai vraiment... c'est que j'arrive pas à dormir en fait. C'est bon, ils vont y arriver. Est-ce qu'il tourne mieux? Ok, il a fait ses 3, 1 et 2 et 3, 0 et il y va. Ok. Non, mais faudrait qu'ils arrêtent de se bloquer là, ça devient lourd. En plus, ça me bloque tout le monde derrière. Ça veut dire que je n'arrive pas à faire les pelles, etc. Et donc, ça bloque les autres robots derrière. Il n'y a pas beaucoup de robots qui attendent. On n'arrive pas à faire les sauts non plus. Parce que les sauts, il faut des... je vais y arriver. Il faut des plaques de métal, il en faut 4. Tous mes sauts sont à 0. Au secours! Stabilisez-moi ça! Et puis donnez-moi des mamours, bordel! Putain, mais les jouets, ils sont toujours à la rue parce qu'ils n'arrivent pas à faire des roues. Au secours! T'as fait ça il y a un mois de nuit en plus. Oh là là, tout. Parce que là, ils vont plus arriver à creuser. Non, c'est bon, c'est les pioches. Les pioches, il y en a d'avance. Quoique. Si, c'est bon, les pioches, ça va. Pardon. Faudrait que ça remonte ici. Dès que ça remonte, ça a l'air de remonter. Dès que ça va remonter, le reste, ça devrait aller derrière. Ou pas. C'est bon, c'est en train de remonter. Donc, le cycle va reprendre son cours. Là, normalement, il faut deux métals rudimentaires pour faire une plaque. Mais sauf que lui, il taxe des plaques pour faire des engrenages de métal. Au secours! J'en ai bouffé tant que ça, des engrenages de métal. Parce que là, on n'est pas près de les avoir, hein, nos plaques. Hein.
Surtout qu'il y a les poutres. Mais pourquoi t'as besoin de poutres? Sérieux? JPP. C'est lui qui nous taxe tout, là. C'est lui qui me taxe toutes mes plaques. Enfin bon, sinon, prêt pour Conan, juste après. Là, j'ai pas de... Oui, bah là, de toute façon, c'est mort. Faut que je vérifie que j'ai pas... Là, ça a jamais été ramassé, là. Je vais aller les caler... Pourquoi j'en ai toujours deux, ici? Ah, mais oui, c'est un robot que j'avais fait spécial. Qui faisait tout. Et il en a plus besoin, à mon avis, de cette table de cuisine. Sauf que le robot qui est là, il fait quoi? Tiens, regarde, je les mets là, ça va t'aider. Voilà. J'ai des trucs, c'est complètement décalé, c'est en train de... C'est une catastrophe. C'est catastrophique. J'ai tout mon système qui est à la rue. Le pire, c'est que je sais pas pourquoi, en fait. Faudra que tu te fasses la selle de ton dada. Ah oui, moi aussi, peut-être. Quoique non, j'ai peut-être déjà fait, je crois. Mais c'est pas possible. Là, il y a 3 tonnes de trucs et le mec, il arrive pas à les transférer, quoi. Bon, ok, on a mis une brutasse pour le faire. Mais... Oh, c'est horrible. Il va falloir que je multiplie tout. Au secours. Bon, on n'a toujours pas de plaque de métal parce qu'il y a un monsieur ici qui nous les bouffe toutes. C'est bon, t'as fini, normalement. Tu peux plus en poser, là. Donc, ça devrait aller. Et il y a lui qui nous les taxe. Ça va, il a bientôt fini. Donc on devrait peut-être avoir des plaques qui devraient pas... Quoi qu'il y a les roues en métal. Les roues en métal, il y a besoin de quoi? Oui, bien sûr, il y a besoin de plaques. Ouais, donc on n'est pas prêt de les voir, nos plaques. Alors, à secours. Est-ce qu'on fait encore des quêtes? Ça, c'est le truc que je me pose une question. Alors, nos toutous, ils font quoi? Ils se baladent un peu n'importe où. À la recherche du... Après, chercher Charlie, chercher les toutous. C'est horrible. Il doit être pas loin de moi, c'est pas possible. Je suis où, moi, d'ailleurs? Tiens, viens ici. Je pense qu'à mon avis, ils doivent pas être loin de moi. Est-ce que les mamours sont en train d'arriver? Toujours pas. Mais sérieux, ils glandent quoi? Attends, depuis tout à l'heure, ils peuvent... Non, c'est à cause des roues. Je vais faire un robot qui fait les roues, là, parce que c'est plus possible. Sauf que je dirais d'aller chercher dans l'autre stockage de poteaux. Il est là, le robot. Je vais pouvoir copier... Bois. On les verra peut-être de temps en temps, c'est pas grave. Ok, sauf que les poteaux, tu vas aller les récupérer là-bas. Voilà. Les planches, pareil, tu vas les récupérer dans le stockage à côté. Le problème, ça va être les chevilles de fixation. Est-ce qu'on lui dirait pas de les faire lui-même? C'est
Il a besoin de combien de chevilles de fixation? 3, c'est chiant, c'est un impair. Parce qu'on doit être, on doit manquer un petit peu de chevilles de fixation. J'ai quand même 3 robots qui bourrinent avec les chevilles de fixation. Je vais les leur dire d'aller sur le deuxième stockage. Parce qu'ils doivent manquer... Pardon. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah bah oui, mais si j'ai des robots qui sont buggés! Non mais c'est pas croyable, j'ai plein de... J'ai pas déplacé les trucs, rien. J'ai plein de robots qui se bug régulièrement, c'est horrible. C'est dingue, je suis obligé de vérifier tous les robots. Là, depuis tout à l'heure, j'ai joué avant, là. Mais j'ai plein de robots qui sont buggés à mort, c'est incroyable. Alors que je les ai pas touchés leur programmation, j'ai rien bougé, rien du tout. J'ai vraiment l'impression qu'il y a, il y a un souci là. Il y a eu quelque chose qui a fait que ça m'a dégommé la programmation. C'est dingue. Sérieux. Voilà, là il bosse maintenant. Donc lui il va ramener plus souvent des bâtonnets. Et des bâtonnets, comme il y en aura plus ici, ça devrait poser moins de problèmes. Parce que là, ils arrivent pas. Les robots attendent qu'il y ait des poteaux qui arrivent, pardon. Des bâtonnets. C'est Captain Igloo. Mais il y a des moments, mais c'est incroyable, quoi. Tu t'as beau regarder les programmations. Là, j'ai dû refaire les programmations de 2-3 robots au niveau de la bouffe. J'ai dû refaire la programmation ici, parce que bah il était buggé. Il lui manquait une couverture en laine, on sait pas pourquoi. Alors que sa programmation, il doit en amener 2. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça. Et c'est vraiment zarbe, quoi. D'avoir un robot qui vient de temps en temps et me foutre des trucs à l'endroit où il faut pas. Parce que là, après, quand les chevilles, elles vont arriver, ça devrait aller plus vite, quoi. Parce que là, il attend quoi, là? Tu vois que je les ai buggés, les deux. Ah bah oui, je les ai buggés les deux. Oh, ils peuvent pas travailler sur le même, faut que je fasse un autre plan. Ah, attends, on va venir ici. Oui, tu peux le faire que sur des plans simples en fait, où il y a que le même ingrédient. Sur deux différents, tu peux pas, ils vont se bugger entre eux. Ok, d'un. La sauvegarde qui met 3 heures. Je me demande si la sauvegarde, parce qu'elle est longue, elle décalerait pas des trucs. Je crois, j'ai l'impression qu'autant on atteint la limite au niveau du jeu. Qu'il commence à avoir trop de robots et ça commence à galérer comme un malade. Ok, on va les caler là pour le moment. Je vais faire un deuxième... on va virer ça. On va les caler là-bas. Quoique je vais sûrement avoir besoin du plan, mais c'est pas grave. Alors, j'ai besoin, je vais caler un... non, c'est pas ça, c'est... C'est celui-là, hein, c'est l'établi rudimentaire. Non, c'est pas l'établi rudimentaire, c'est lequel? Bande menuiserie. Bonne menuiserie. Hop, on va en caler un là. Ouf. Alors, on va envoyer tout le monde, hein. Alors, papa, tu es là.
Ou toi qui laisses en plan des trucs partout dans ta base. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une illusion d'optique. Les lames, faut que j'aille les chercher à la mimine moi-même. De ma propre main. Avec notre petite roulette. Après, il faut les poteaux. Monsieur Poteau, je suppose qu'il vous faudra Monsieur Planche aussi. Monsieur Planche, bien sûr. J'ai Monsieur Peck de métal qui est venu se foutre au milieu, là. Monsieur le perturbateur. Je ne laisse rien traîner, c'est juste une organisation que je ne comprends pas. Manivelle. Allez, ça devrait amener des trucs. Ah, les 4 carrés, on est en panne. Au secours. Au secours. J'en ai marre. Remboursé. On va faire travailler un des deux. Peu importe, de toute façon, ça c'est le gros. T'as quoi en main? T'as les planches, c'est bon, tu vas aller chercher les planches qui te manquent. Non. Reviens là. Donne-moi tes planches. Donne-moi tes poteaux. Et va bosser. Ah bah les poteaux ça remonte quand les robots ils tournent. Saloperie. T'as tout ça mais... Et les plaques de métal toujours pas. Alors que le truc il se... Non il se remplit pas d'ailleurs. Est-ce que là... Non me dis pas qu'ils sont buggés ici, sérieux. Non c'est bon, c'est juste les robots qui rechargent. C'est juste le robot qui recharge. Mais c'est long, sérieux. Putain, on rajoute un robot, ça va pas plus vite. Donc là, il est en train de bosser, il va attendre les chevilles. Non, mais les chevilles commencent à arriver maintenant. Parce que lui, il est réparé, il renvoie. Il peut travailler comme il faut. Putain, je vais être obligé de vérifier tous les robots un par un, quoi. Lui, là, par exemple, à mon avis, c'est quoi, lui? Pourquoi tu es bugué ici? C'est un qui recharge, donc c'est bon, y a pas de problème. Ça y est, ils ont terminé? Non, il a encore les roues à faire. Là, ça devrait être bon. Voilà, c'était son dernier. Voilà, c'est en train de remonter. Non, mais j'en peux plus. JPP. Au secours. Entre ça, les mamours qui arrivent pas parce que l'autre, il n'arrive pas à faire des roues. Et là, pourquoi tu bosses plus? Tu es où? Parce que ton stock de peluche est plein. Ok, bonne raison. Ah là là. On va y arriver. Il y a des moments, il y a le jeu qui se décale. Ou qui d'un coup t'as plein de problèmes qui arrivent, mais tous en même temps, tu sais. Alors des fois tu laisses tourner le jeu et ça se répare tout seul. Puis d'autres fois, bah t'es obligé de te taper tout à la main. Et là tu rigoles moins. Mais bon, j'aimerais bien arriver dans ce deuxième épisode de la soirée à faire mon moteur de train. Ce serait bien. Parce que là, je vais laisser tomber pour le moment. Parce que ça me bouffe tellement de ressources, c'est une horreur. Sinon on va faire un robot qui fait tout. Et il fabrique tout seul tous ces trucs. Non, ce sera pas possible à mon avis. Ça y est, ils m'ont fini le truc ici, parfait. Fais-moi des roues. Bon, les chiens sont partis dans la nature.
Ils sont pas très fidèles ceux-là. Allez, fais péter tes items, toi. Voilà. Sauf que toi, tu vas travailler avec le nouveau banc de menuiserie. Allez, c'est parti, boss. Ah, d'un coup, ça remonte. Donc, ça va pas mal aider. Est-ce qu'on aurait réussi à stabiliser le bois? Ce serait déjà pas mal. Même si là, il en manque, ça a l'air de fournir assez régulièrement. On devrait avoir nos premières roues qui devraient pas tarder à arriver. Elles ont déjà été taxées. Là, il est en train de travailler. Ça y est, il a fait. Là, il a fini. Là, on attend. Les cadres de boîte sont en train de se prendre une claque. J'en peux plus. Au secours. Bon, là, est-ce qu'on va pouvoir voir? Il reste les roues en métal. Est-ce qu'il travaille avec les roues en métal? Il n'a pas l'air de travailler pour les roues en métal, le gars. Mais à mon avis, toutes mes plaques de métal sont bouffées par le seau. Vu qu'il m'en taxe 4 par 4. Et c'est chiant de faire une programmation juste pour un seul truc, quoi. Quoique je pourrais prendre la programmation de la poutre en métal. Du robot qui fait des poutres en métal. Je le dis de le faire ici, j'en fais qu'un. Pour faire la chaudière. On va se faire un robot qui va faire... quoi que je dois avoir un robot qui traîne, qui... Bah... Le robot des quêtes. Hein. Lui, il fait quoi, déjà? Ah oui, c'est celui qui donne à bouffer, là. Ouais, ben, tu vas plus donner à manger, là, pour le moment. On va t'utiliser, toi. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, il n'y avait pas besoin. Il faudrait juste que je trouve le robot avec les poutres. La fabrication, c'est l'usine de métal. Voilà, monsieur qui fait des poutres. Je l'ai pas fait, les poutres. Non, mis à part monsieur Poutre, non. Non. Ok. Donc on va l'enregistrer. On va l'enregistrer. Là, on va prendre notre robot ici, qui s'est barré, je sais pas où, sérieux. Je suis où? Oh, c'est lui, qu'on va sortir d'ailleurs. Sauf que il va pas ramasser, puis on va lui faire faire le truc qu'une seule fois. Il fait deux fois ça, il faudrait qu'il fasse deux fois ça. On est rivé, combien il va emporter lui? Il emporte plus lui. Lui il est rivé, il peut emporter 4. 1, 2, 3, 4, ouais. Donc ça va être plus pratique. Et pareil pour les plaques. Donc il n'y a pas besoin de faire le deux fois. Puisqu'avoir les mains pleines, ça fait 4.
Non, ça va faire plus avec lui. Zut. Ah mais il en faut 8. Donc il faut qu'il fasse ça deux fois, zut. Ça, il est même pas parti. Non, là on reste à 4. 42 fois, ça fait un peu beaucoup. Faire ça aussi. C'est bon? Peut-être qu'il arrivera à me taxer les trucs pour le faire. Quand ça arrivera. Putain, ça arrive pas à remonter, hein. C'est horrible. Là, j'ai tellement de retard entre les sauts et les pelles. Le reste, c'est bon. Lui, il est vide. J'ai les briques qui se prennent une claque. Parce que j'ai l'impression qu'il les répare pas. Mais c'est pas possible. Et comment il peut avoir encore, lui, là-bas ? C'est en fait, oui, d'accord, il lui restait des jouets. Mais lui, ça devrait se terminer. D'ailleurs, il y a encore des poupées qui traînent. C'est pas possible! Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'argile? Pourquoi il bosse pas? Il doit être bloqué encore. J'ai pas de la fabrication si j'ai de la fabrication d'argile ici. Non, il est en train de bosser en fait. Il va aller les faire cuire. Là, tu vois, il y a deux robots qui travaillent ensemble. Bon, et après, il y en a un qui récupère tout. C'est bonjour. Moi, j'en fais 200, à peu près. Là, lui, il travaille pour les briques. Non, ben... On se prend une claque dans les briques, je ne sais pas pourquoi. Alors qu'on n'a pas de construction spécifique. Peut-être parce qu'il répare ici. C'est horrible quand ça fait ça. Et là, toujours rien. Non, mais ça va être un épisode de qualité. D'une superbe qualité de l'emmerdement. Pourquoi il te manque un poteau? J'ai pas changé. Ah bon. J'ai eu peur. Et il nous a fait des roues! Mon dieu! Thank you.
Là, il est en train de faire celui-là. Il manque les panneaux, mais ça, c'est bon. Il va les récupérer. Là, c'est en train de se prendre sa claque. Donc, on va bientôt être arrêté. Ah, il va l'amener là. Ok, comme l'autre est bloqué en attendant, ça, ça monte. Donc ça, c'est cool. Bon, il galère à le déplacer. Il faudra lui mettre une petite upgrade de force. Mais je vais peut-être pas la faire maintenant, l'upgrade de force, parce que j'aimerais bien sauvegarder mes planches. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il m'a récupéré 4 planches, c'est un miracle! Mais ça va pas marcher, oh putain. Oh putain. Attends, est-ce que je peux pas faire mieux avec lui? Si, on peut faire plus simple. Non, il a pas les mains pleines. Il faut que je fasse ça. Déjà, il faut que je vienne à côté de lui. Sinon, il va pas y arriver. Voilà. Déjà, il va m'en mettre 4. Ouf! Ok, bon, celui-là, il va arriver à me les ramener. Il va me prendre les quatre autres plans. Dès qu'il les aura, il va les amener. Donc, ouf! Enfin, il était temps. Ça y est, enfin! Il y en a un qui va nous redonner des mamours parce qu'on n'avance pas, là. Ça tournait très bien à un moment et j'avais pas fait gaffe à ça, et donc ça m'a pourri derrière. C'est horrible. Bon, les pattes, il va falloir que je me les fasse tout seul, ça va être plus simple. Si je veux arriver à faire ça pour faire la patte de Calico, on va la faire en attendant. Donc on avait dit le petit robot, il est où? Il est là. Le truc, c'est que je peux prendre dans un stockage. Son full stockage, je fais hop, je remets dedans. C'est nul. Sauf que c'est les robots de merde. Faut lui dire vraiment le bon stockage. Bon, oh non, on va pas te programmer, toi. C'est bon. Toi, tu vas aller ici, là, tu sers à rien. T'es les robots de base. Ah bah il est là, on a retrouvé un. On peut les renommer? Non, malheureusement, on peut pas les renommer, les chiens. Ah bah ils sont là, non? Les deux. Ça y est. Ben, coucou. Alors, ça y est, j'ai oublié ce que je voulais faire. Le poisson rouge ce soir. Oh, j'ai du mal. Ça va être épique ce soir dans Conan. Alors, Rayek, faut attaquer. Quoi? Pardon, excusez-moi. Je me suis endormi. On va prendre un gros robot. Oui, ça, c'est pas grave. Peut-être qu'on va lui faire faire même quasiment tout le cycle de ce qu'il a besoin. Comme ça. Ou dans un premier temps, puis on verra après.
Voilà. Donc toi, on a dit qu'on voulait que tu fasses ça, mais c'était un faux récupération. À moins qu'ils me remettent tout dedans. Voilà. Ou quoi que je lui dis de faire tout seul sa pâte. Parce que le but c'était quoi déjà? On avait besoin de pâtes de qualité. Non, je voudrais quand même un robot qui me fasse des pâtes de qualité permanentes. Parce que sinon. Sinon ça va être difficile. Alors il me faut. C'est de la pâte rudimentaire. La pâte rudimentaire, c'est celui-là ici. Voilà. Je me ferai une pâte rudimentaire après. Après, je veux qu'il aille récupérer deux farines de qualité. Oh, c'est horrible quand il y a les trucs qui viennent se mettre au milieu et t'emmerder. Ouais, deux. La pâte rudimentaire, le truc qu'on pourrait faire, c'est... faudrait que je fasse le rangement. Voilà, ranger l'objet. Récupérer, et on va les déposer là-bas. Voilà, ça. Jusqu'à avoir les mains vides. On va stopper la programmation. Je vais me faire une pâte rudimentaire. Oh, faut du porridge. Au secours. Est-ce qu'on a du porridge de... Ben non. J'en peux plus. Ce jeu m'en veut. Ce jeu m'en veut. Pourtant, j'ai trois ou quatre robots qui gèrent du porridge, quoi. Ah, mais c'est horrible. Putain, faut que j'arrive à choper un robot, là, qui... Mais j'ai l'impression que j'ai plus de robots qui me fait pas de rudimentaire, là. Ils sont buggés, autant. Encore. Ouais, toi c'est quoi? Il veut du porridge liquide. Il veut du porridge liquide. Il veut du porridge liquide. C'est l'impression que c'est en fait c'est tous les robots qui ont besoin de porridge liquide qui sont KO. Donc le porridge liquide, on en fait là. Là il manque du blé. Pourquoi? Normalement c'est la première chose qu'on amène. Donc, le robot qui doit gérer le porridge liquide doit être buggé, quelque part. Lui, il attend son deuxième. Je viens de voir un porridge passer. Là, on voit pas. Mais à mon avis, il doit faire ce qu'il faut. Si, le porridge est toujours en train de se faire, mais... Les robots ont du mal. Bah, bonne soirée, Chocotine. Et merci d'être passé. Non, là, il a bossé. Non, j'ai quand même... J'ai 4 robots qui gèrent du porridge. Ils sont pas foutus d'arriver à m'en faire régulièrement. Mais c'est pas croyable. Remboursé.
Ah, ils vont me suivre de temps en temps. Ils vont arriver par ici, par là. Vérification. Oh yes, ça a marché. On a notre chaudière. On va peut-être enfin avoir cette saloperie de train. Pardon. Attends, avant de ramasser ça, on va d'abord programmer le robot pour faire... on a besoin de quoi, le dernier? C'est une chaufferie. Ouais, chaufferie, c'est la même. Donc lui, je vais relancer sa programmation. Ouais, sa programmation à 2 balles. Et il va me le faire tout seul. Ouais, et là... j'ai du mal. Ok, bon, on va le laisser faire. Pendant ce temps-là, on va essayer de faire notre pâte rudimentaire. Ou alors, comme je l'ai programmé, quoique non, je pourrais lui laisser le faire. Je vais le faire travailler, en fait. Il va attendre, il va la choper tout seul. Faut juste que j'enlève les... que j'arrive à enlever les trucs avant qu'il revienne, s'il revient. C'est vrai, je pourrais faire ça. Hop, je retire juste les 2 trucs, on en a pas besoin. On va les remettre en place. Voilà, comme ça, il va le faire tout seul. Quand il l'aura fait, je viendrai le continuer sa programmation. Et comme ça, après, il se débrouillera, il va me les préparer d'avance. Et au bout d'un moment, j'aurai tout ce qu'il faut. Ok, alors, ici, il devrait commencer à essayer de me les choper. Non, c'est toujours pas remonté. Ça, ça monte pas non plus. Hein. Est-ce qu'on va pas rajouter encore un robot? Je pense que oui. Comme ça, ça fera encore un robot de plus et ira plus vite. Voilà. Puis comme ça, on s'approche des 450. Je recrée un deuxième parce que là c'est la programmation pour lui, ça c'est la programmation pour les robots comme ça. Comme ça Irena était content, on va arriver à 450. Allez, boss. Parce que là, ah, les pelles sont en train de remonter. Et les sauts aussi. En espérant que ça remonte bien. Parce que là, plus je vais avoir de métal rudimentaire fait, plus ça ira vite. Là, au niveau des roues, c'est en train de remonter, donc ça veut dire que ça bosse correctement. Ici, est-ce que les mammouths ont commencé à avoir du retour? Non, il n'y en a qu'un pour le moment qui a eu. Donc il attend quoi, l'autre? Il y a tout ce qu'il faut. Les cadres. On n'a plus de cadres. Non, il y a toujours un truc qui pêche. Parce qu'il veut des cadres carrés. Pourquoi? Pourquoi? Oh, les cadres carrés, il y a quand même... Enfin, les cadres... Ouais, les cadres carrés, il y a quand même 3 robots qui bossent dessus. 1, 2... Et il leur manque des chevilles de fixation et des poteaux, à mon avis. Ça va être les chevilles de fixation qui doivent manquer, ouais, parce que les poteaux sont bons. Et là, c'est en train de remonter tranquille. Est-ce qu'il m'a fait mon truc? Yes, il me l'a fait. Allez, hop, on va lui continuer sa programmation. Dans ce temps, elle va pas être très compliquée. Tu vas ramasser ça. Et tu vas me le foutre dans un stockage. Voilà. Et tu feras que ça. Voilà, tu feras ça ici. Voilà, comme ça, il va me les monter en attendant qu'on fasse la bouffe de qualité supérieure. Parce qu'on a besoin de ça, de toute façon. On a vu qu'ils veulent absolument. Et puis, l'autre bouffe qu'on fera... je sais pas par rapport à quoi.
Ah mais de toute façon il faut faire les galettes. Non j'ai pas regardé. C'est quoi qu'il faut qu'on fasse déjà? Celui-là de toute façon il est plus fait là. Les champignons il le gère plus. Il faut quoi? Il faut des galettes, d'accord. Non, c'est pardon, c'est ici. Ouais, il faut juste de la pâte de qualité. Ah ouais, il faut tout faire directement là-dedans. Mais après... Ah oui, il faudra le pudding aux champignons. Donc on est en train de le faire. On en a, donc... Normalement, on a tout pour faire déjà le tier 7. Parce que je récupère les champis qui sont là. Qu'on a déjà fait. On l'amène là-dedans. On va chercher un œuf, une pâte de qualité, du beurre. On le met dedans et c'est bon. Et on aura un burger aux champignons. Il faudra qu'il m'explique comment, avec tout ça, mais on aura un burger aux champignons. Au secours. Au secours. Donc là, il n'y a pas besoin, en fait. Ici, je pourrais faire autre chose, si je veux. Ouais. Non, on est bien, hein. On fera qu'un seul plat, hein. Parce que là, je suis en train d'essayer d'apprendre pour faire les baraques de niveau supérieur. Ici. Mais les mamours, ça veut pas monter, là. Parce qu'il n'y a pas les joujoux à cause de ces cadres. Ici, il a commencé, c'est bien. Là, ça devrait remonter fortement, non? Même pas. Sérieux. Quatre robots qui gèrent le truc, ils n'y arrivent pas. Et ça, ça descend, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à récupérer assez rapidement. Au secours. J'en peux plus. JPP. Eux, ils sont toujours en train de bouffer, donc on aura quelques mamours. Là, il doit attendre son deuxième 4 carrés, qui ne doit pas arriver. Et eux, ils sont bloqués. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Et voilà, encore un bugué. Voilà, encore un qui est bugué. Alors que j'ai pas touché sa programmation, j'ai rien fait. C'est dingue! T'es obligé de surveiller tous les robots parce qu'ils se buguent au bout d'un moment, quoi. C'est incroyable. On va aller poser les planches. Les planches, les poteaux. Ok. Donc là, il y en a un de plus qui devrait travailler, normalement. Est-ce qu'on ferait pas un robot qui fait des... Là, il y a des roues maintenant. Ça y est, les roues, elles arrivent. Là, les chevilles de fixation, elles vont arriver. Là, il est en train d'en faire aussi. Donc, ça devrait arriver. Si à peine ils déposent, elles se font dégager tout de suite. LOL. Ça commence à stocker? Non, même pas. Allez, le 4 carré, ça y est, ça commence à arriver. D'ailleurs, ça commence à remonter. Donc là, lui, ça devrait arriver, parce qu'il va chercher ses 4 poteaux. Donc ça, c'est cool. Et on devrait en avoir un. Ah non, mais faut vraiment que j'aille vérifier tous les robots un par un, quoi. C'est limite parce qu'il y en a plein qui sont dans les choux, quoi. Les médicaments, ça va, on a de la marge. Pareil pour les vêtements. Oh,
Oh yes, ça y est, enfin le train. Enfin. On va enfin voir la gueule de ce machin et comment il marche. Alors j'allais chercher du charbon aussi. Alors je crois que c'est celui-là qu'il faudrait que je récupère. Du charbon de bois. C'est ça? Ah non, c'est du charbon tout court. Allez, c'est parti, enfin! Tchou-tchou! Donc, faut aller chercher ça. Non. Je vais récupérer ça. Oui. Et je vais pouvoir le mettre sur la voie ferrée. Oh yeah. Et les chiens qui m'ont suivi là, énorme. Faudra que je fasse l'autre, faudra que j'arrive à débloquer l'autre, mais ça va être long. Hop, voilà, j'ai lâché. Alors, toi je peux pas t'utiliser parce qu'il va falloir que je te mette du charbon et de l'eau. Donc on a quelques seaux qui traînent normalement. J'ai pas de seau avec de l'eau, j'ai du ça avec du sol. On va aller le vider. Ouais, l'eau c'est loin. Pff. On va chercher l'eau fraîche là-bas. Pardon. Voilà, on va récupérer notre eau. On va aller remplir le train. Je suis sûr que 5 ça va pas suffire, mais c'est pas grave. On va lui mettre la citerne derrière ou le wagon, je pense. Ouais, les 5 ça remplit à moitié. Ok, je vais aller chercher le charbon. Et on va pouvoir tester ce petit train avant la fin de l'épisode. Ouf! En 4, on n'est pas assez prêt. Allez, hop. Et là, surprise, ça marche pas. Non. Il faudra qu'on finisse là, mais il faut les 4 carrés. Débarrasser de là. Ah, je peux pas. Ok. Bon bah, hop, passe ici. Est-ce que je peux l'utiliser? Non, je peux pas monter dessus. Si. Contrôle. Je peux aller dessus. Attention, c'est parti. Avec le petit bruit. On a écrasé le chien. Excellent. Là il s'est arrêté. Hop, je vais descendre. On va essayer de mettre un wagon. On va essayer de mettre les wagons derrière. Le seul truc, j'ai un doute pour pouvoir m'arrêter. Ok. Je vais caler les wagons derrière. On va voir combien on peut en mettre. Bah, s'il accepte plusieurs wagons à traîner.
Non, j'ai l'impression que c'est pas bon. Ah, ok, faut cliquer sur le train pour que ça marche. Ok. Ok. Donc ça marche avec plusieurs. C'est cool. On va pouvoir faire mumuse. On va pouvoir faire mumuse, ça c'est cool. Pourquoi je peux plus me... Non, c'est là qu'il faut que je fasse. Voilà. Hop. Ok, bon, bah c'est nickel. Le petit train, il fonctionne. Yes. Bon. Pour le moment, on... Bon, c'est bon, ça remonte. C'est cool. Bah voilà. Voilà, c'est plutôt bien. Donc Twitch, quittez pas, on repart sur du Conan Exile d'ici peu. Sinon, bah, YouTube pour la rediff, abonnement, cloche, pouce bleu, commentaire, partage. Il y a tout ce qu'il faut en réseaux sociaux dans la description. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Allez.